Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Je suis toujours malade, hein. J'essaie de m'en sortir, j'ai du mal. Je confirme que j'ai du mal. Mais bon, on va essayer de continuer quand même un petit peu nos découvertes, on va dire, dans l'espace. On peut voir qu'il y a une station de recherche médicale. Je suis curieux de voir ce que c'est. On n'a pas encore fait de station de recherche. Je suis un petit peu curieux de voir ce que ça va donner. Et surtout de tomber un petit peu sur tout ce qui est au sujet des différentes stations, on va dire les différentes stations modulables par le joueur, en fait, comprendre comment c'est censé être fait, etc., etc. Ok, on y est. Cool. C'est joli. C'est un poil noir. Mais c'est joli. Je sais pas ce que ça fait d'arrêter tout ça à chaque fois. Je le fais, mais bon. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Donc, N. Parce que je vois plein de choses qui m'intéressent. Genre même la porte m'intéresse. Le bureau m'intéresse. Ah! Ah ah ah! On a enfin une idée de ce à quoi ressemblent les plateformes? Wouh! Merde! Descends! C'est bon. Attends. Ouh! C'est moi qui la contrôle! Un petit peu, vous voyez, via les boutons. Regardez. On peut voir les boutons que j'active sur le milieu, au niveau de la croix directionnelle. C'est génial! Il y a une quête à droite. Ouh. J'aime bien aussi. Bon. Ça aussi, je vais prendre. Parce que c'est super méga stylé. Bonjour, monsieur. Ah bah! Your very own space station. Would you like... Est-ce que tu voudrais déployer ta propre station spatiale? Je peux te crafter un objet qui s'appelle un station transponder. Et tout ce que ça nécessitera, c'est quelques ressources. 50 barres de titane, 50 barres d'or, 50 barres d'argent. Et 1000 pixels. Bah ça va être faisable. Ah oui, alors du coup par contre je suis obligé de la prendre, voilà. Bon, cela dit, ça va assez vite, hein. J'ai pris ça? Oui, je l'ai. Ça, je l'ai pas. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Non, ça sert à rien. Ok, il y a quoi là-dedans? Ouh! Ah, je peux dropper des objets pour le mec. Ça m'intéresse. Parce que mon mec à moi, il a besoin d'être amélioré. Mon mec à moi! Oula, elle est amoureuse la personne derrière. C'est vachement grand par contre. Oui, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je m'aime. Mais quand même. Wouh! La bouffe? C'est génial comme endroit, n'empêche, hein, je veux pas dire, hein, mais... Le switch, là, je l'avais pas, apparemment. Tout comme le micro-ondes qui est là. Ah, l'impuissance. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Là, apparemment, j'ai tout. On monte. Enfin bon, on monte. On monte pour mieux redescendre, finalement. Crac. Merci. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sympa comme station. Je sais pas si la mienne ressemblera à ça ou si elle sera toute carrée. Mais honnêtement, ça me ferait chier qu'elle soit toute carrée. Pas de quête, rien. Bon bah écoutez, je remonte. Mais c'est vraiment, vraiment stylé. Hop, la lumière, pardon. Excuse-toi, voilà. J'avais pas vu qu'il y avait un escalier, enfin un truc pour monter ici. Le 6, je ne l'ai pas. Ouais, vas-y, fais péter. Oula, il vient de loin celui-là.
c'est assez grand, hein. Dans le bon sens du terme. Je veux dire, c'est pas cheap comme mise à jour, finalement. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas cheap du tout. Je suis curieux de voir comment fonctionnent ces choses. Le 5, je ne l'ai pas non plus. Je suis extrêmement curieux de voir comment fonctionnent ces choses. Tu veux bien venir ? Hop, merci. On redescend, je regarde ce qu'il y a. Et il n'y a strictement rien. Ok, c'est extrêmement intéressant. Ce qui veut dire donc, finalement, vu qu'on a réussi à trouver des bouts pour la... pour le, comment, le mecha, qu'il y a un intérêt à explorer même les choses que vous connaissez déjà, entre guillemets, si je puis dire, en termes de station. Donc c'est assez cool. Donc c'est assez cool. Hop, on remonte. Donc il y a un intérêt à tout explorer. Ok. Ce monsieur nous a demandé si on avait de l'or, de l'argent, du titane. En grosse quantité, cela dit, nous a demandé. Hein, 50 barres. On va aller voir les barres d'abord. De l'or, j'en ai 11 ici. De l'argent, j'en ai un petit peu. Le titane, j'en ai que 4. Je pense que le véritable problème qu'on a, c'est le titane. Hop. Hop. Et l'argent, voilà. Crac. Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me fasses... pas ça. 50. Vas-y, fais péter. Il y en a un paquet. Merci. 50. Et là, forcément, tu m'en feras que 49. Merci. Donc, on a presque tout ce qu'il faut. En termes de pixels, il faut que j'aille voir dans mes poches. J'ai ce qu'il faut. Je prends juste un titane en plus. Voilà. Et je repose tout ce qui est minerai. Crac. Ok. Ça, c'est pas trop mal. De toute façon, je peux déployer le mecha comme ça sans le moindre problème. N'importe où dans le vaisseau. Je trouve ça un peu bizarre. Mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Je trouve ça extrêmement bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Alors on a toujours notre truc à rebond. Par contre, peut-être pas que je le tire dans le bâtiment. Vu que j'appelle ça un bâtiment. Hop. Bonjour. Crac. Et on a un station transpond. Oh. Ah, il peut m'en donner plusieurs. Cool. Cool, 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 cool. On peut avoir de multiples bases. Ça, c'est génial. Alors. Où est-ce qu'on pourrait aller? Pour déposer... Dans quel type de... Merde. De système je pourrais aller? Je serais bien dans une... Ah oh oui, j'irais bien dans une Fiery. Dans une Fiery Star. Parce que c'est des étoiles rouges quand même, comme mes cheveux avant. Enfin, ils sont un peu moins rouges maintenant. Mais... Encore que ça se voit là, en fait. Ça se voit plus là, par contre. Et bon, comme je vais aller à la plage avec des amis sans doute cet été, faudra que j'attende avant de refaire ma couleur. Si j'en refais une. Comme ça, je pourrais avoir de magnifiques algues dans la barbe aussi, ça va être rigolo. Cool. Cool, cool, cool. Oula! J'ai tout cassé! J'ai tout cassé! J'ai tout cassé! Oh, j'ai tout cassé! Bien le... Merci. Voilà. Je disais donc... Ah oui, je voulais aller là. Et voir ce qu'il y avait. Parce que si je pouvais, par exemple, aller ici.
Je veux juste tenter, faire des tests. Voir si je me colle près du soleil. En tout cas, près de l'étoile, on voit des choses. Ou dans l'étoile. Il n'y a pas de différence. Par contre, si je me colle en orbite autour d'une planète. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre un petit peu? Est-ce qu'on va voir en fait ça? Là, je suis curieux. Parce que c'est ce que j'aimerais aussi avoir en soi, c'est quelque chose de joli. Donc peut-être plutôt chercher quelque chose, une planète avec plein d'étoiles. Plein de lunes, pardon. Enfin, plein de... Oui, on va appeler ça une lune. On voit rien. Là, on voit quelque chose. Eh ben, ce sera là. Alors, comment suis-je censé l'utiliser? C'est à poser, c'est... Apparemment, ce n'est pas à poser. Je pense qu'il faut que je sorte. Ah, je ne peux pas... Quand je suis en orbite autour d'une planète, je ne peux pas sortir le méca. Là, je vous avoue, du coup, que je suis vexé. Bah, du coup, j'ai envie d'aller là, moi. Au plus éloigné pour avoir un maximum de visibilité sur tout le système. Putain, ça met trois plombs. Hop là. Pourquoi j'ai pas accès au méca? Vous avez remarqué, j'ai pas accès au méca du tout. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Oula, traite extrême, extrême. Juste pour aller voir. Juste pour aller voir. Rappelez là aussi, ça aurait été beaucoup moins loin. Et là, il va vouloir que je le sorte. D'accord, je vois comment ça fonctionne. Attention, on est en extrême, chers amis, hein, je vous le rappelle. Ok. Oh la vache! Ah, ils font mal! Ils font même très très mal! C'est même plus de la douleur que j'ai ressenti, c'est... C'est une envie de me tuer, quoi, j'ai l'impression. Hein. Je crois qu'ils voulaient me tuer, hein. Je suis pas sûr. Hein. Oui, j'ai besoin d'une grosse régène de santé, là. Hop. Ça fait du bien par où ça passe, je l'ai dit. Ça heal bien! Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, question numéro 2. Je sors. Est-ce qu'il faut que je protège la base? C'est ça la vraie question. Parce que là, je vais faire ça. Je vais prendre ça. Merde, faut que je sorte. C'est quoi ça? Faut que je réessaye à partir du vaisseau! Bon, d'accord, pas de soucis. Why not? Oh! La station. Playroom Station. La première. Ah, il veut pas. Station de la Playroom. Ok. Donc je peux choisir là où elle est ou pas? Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh.
Oh, je pourrais la mettre là. D'accord, en fait, je viens de lui créer un orbite. Donc elle va tourner elle aussi autour. C'est génial. Je m'en doutais. Bon bah il est temps d'y aller hein. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais selon moi, il est temps d'y aller. Ce serait ma station. Wouah! C'est ma station. Il va me falloir un TP. Il va me falloir un TP. Ah. Bah écoute, on va sortir. Boum. Bon, même si je déteste toujours cette animation n'importe où dans le vaisseau, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Gravity. Ouh. Ouh. D'accord. Ok. Ouh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, comment vous voulez que je fasse? Vous voulez que je la construise en direct avec des mods pour me donner tout ça? Dites-moi. Dans les coms, ça m'embête un petit peu en un sens vu que ça me... D'accord. Alors, make base, c'est tout simplement... Ah, il y a moyen de faire de jolies choses, je pense, hein. Il y a moyen de faire de très jolies choses. Alors, question, est-ce que je peux déplacer celle-ci ou pas? Non. d'accord. Ouais, bah je vais vous laisser ça. Entre, je vais laisser ça entre vos mains, cher ami. Je vais vous demander si vous voulez que je le fasse. Bah écoutez, en direct, enfin comment, en vidéo, mais avec le mode, ou si vous voulez que je fasse ça petit à petit, très lentement et que ça n'avance pas. Ouais, personnellement, je le ferais plutôt avec les mods pour pouvoir nous avoir une base classique, une base un peu plus intéressante, quitte à une. Oh, je sais pas, cela dit, je sais pas. Ça, je crois que ça demande quand même beaucoup de compos. Hein. Profitez tant qu'on est ici, mais. Ouais, ça demande énormément de composants. Ça demande énormément de composants. Ah, c'est intéressant quand même. C'est vachement intéressant quand même. On verra. Dites-moi ce que vous vous en pensez dans les coms, chers amis, et on fera ça ensemble de toute façon. Juste, on va quand même vérifier d'autres petites choses. Je peux? Je ne peux pas casser derrière. Est-ce que je peux placer un mur par exemple n'importe quoi? Oui, je peux. Oh! Oh! Oh là 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 là! Oh là là. Ouf. Je peux entièrement refaire tout ça.
Alors ça c'est le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Bah il est là. Écoutez, chers amis. Là, je peux pas vous le dire autrement. Le bonheur, il est là. C'est vraiment entièrement refaisable. Et ça, c'est véritablement la vie. Waouh. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'absolument incroyable. J'espère que vous me permettrez de le faire en modé, en fait. Je retire ce que j'ai dit. Là, je veux absolument me faire un truc qui claque. Un truc qui claque. Oh là 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 là. Ouais, bon, je vous laisse là. Salut! Donnez-moi vos réponses dans les coms.